Le coup de foudre a été quand j'avais 9 ans, où j'ai commencé à chanter dans un chœur. Et je me suis mis à m'intéresser aux chefs de chœur et après ça aux chefs d'orchestre. Ça m'a fasciné. Puis un jour, je me rappelle de ce jour-là, j'ai dit « je veux devenir chef d'orchestre ». C'est tout. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas accès à la musique classique, tout simplement parce que on doit être connaisseur pour comprendre ça, alors que la musique, c'est fait pour tout le monde. Et c'est ça ma mission, au fond, c'est tout simplement d'aller porter la musique aux gens, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, ça c'est une chose, mais au moins qu'ils se sentent concernés, qu'ils sentent que ça puisse être pour eux. Mon rêve de petit garçon, quand j'avais 10 ans, qui était de diriger partout dans le monde. Je vis ce rêve-là maintenant depuis plus de 10 ans. J'ai atteint au niveau géographique, d'une certaine façon, le plus haut niveau de ma profession. Mais ce n'est pas parce qu'on a atteint ce niveau-là que je suis arrivé. Parce que comme artiste, j'en suis encore au tout début de me développer. J'espère surtout que quand j'aurai 80 ans, je vais être un meilleur musicien que ce que je suis maintenant à 36 ans. Et ça, c'est mon plus grand rêve. Un prix comme ça qui vient de ma province, de mon pays, c'est un immense signe d'encouragement. On entend souvent cet adage « Nul n'est prophète en son pays ». Puis j'espère continuer à travers, par exemple, ce prix Denise-Pelletier, de prouver que je sois une preuve vivante qu'en tout cas au Québec, on peut être prophète en son pays. Et c'est ce qui m'émeut beaucoup.